Hey, comme vous avez pu le voir, ces derniers temps, j'étais archi pas présente sur les réseaux sociaux. Et c'est tout simplement parce que je me suis mariée. Mariée. Genre, la demande en mariage, la demande officielle avec la famille. Tout ça, genre tout ça, je l'ai vécu. Et un jour comme ça, je me suis dit, mais pourquoi pas vlogger tous les préparatifs, sachant que tu vas pas en parler à ta communauté jusqu'au jour J. Donc, bah, c'est ce que j'ai fait. Mais dans ce vlog, vous allez voir que clairement, rien ne s'est passé comme prévu. Rien. Bref, enjoy. Hey, oh là là, vous êtes au courant de rien et je vous jure c'est trop dur de pas vous dire. À chaque fois j'ai envie de vous dire, en plus il y en a plein qui me disent pourquoi Shayna t'es plus là et tout. J'ai trop envie de vous dire mais c'est parce que je prépare mon mariage les gars. Donc voilà, je garde ça pour moi jusqu'au 30 octobre et le 31. Inch'Allah, parce que voilà, déjà avec le corona et tout, c'est galère. Donc voilà, là je vais au Paris Nord, à Aulnay-sous-Bois avec mon mari. Parce que voilà, quand vous allez voir le vlog, normalement on sera déjà mariés. Attendez, parce que là je fais n'importe quoi. Donc je disais, il a déjà un costume pour samedi, parce qu'en fait on va faire un truc en wax. Genre lui il aura la veste en wax et moi une robe. Mais pour vendredi, il va être en camis le matin et l'après-midi, il lui faut un petit costume. Vu que moi je serai habillée en blanc, donc l'idéal ce serait qu'il trouve un truc en beige. Bref, donc là je vais le rejoindre et ouais, on va passer la journée ensemble. Mais franchement, préparatif de mariage là c'est chaud. Et encore là, c'est même pas genre mon grand mariage, la mairie, tout ça. C'est juste le mariage religieux et une petite fête entre amis. Genre vraiment, voilà quoi, c'est pas un truc de ouf. Mais vous connaissez, moi j'aime bien faire les choses bien et tout. Du coup bah, je vais vous laisser parce que voilà, conduire et filmer en même temps c'est pas bien. Mais voilà, fallait que je fasse un minimum une petite intro. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Bisous. Bon ça y est, je suis arrivée. Voilà ma petite dex du jour. J'ai fait un petit puff. J'ai mis une petite robe toute simple, mon masque tout sale là. Mais bon, moi je vais rien lâcher, je maquille quand même mes lèvres alors que ça sert à rien. Mais bref. Bon bah du coup ça y est, je suis avec mon mari. Et oui, parce que quand vous allez voir le vlog, on sera déjà mariés donc. Yes. Vali, Valou. Ça va, hein, ouais, grave. Arrête. Vali, Valou. Eh, hey, t'as même pas dit ton prénom, ça va tout noir. Et là. Tu dis là. Il arrive. Voilà. C'est pas le beige que j'imaginais, genre. Ouais. Ah, c'est marrant, enfin, c'est. C'est plutôt camel, hein. D'accord, la musique d'entrée. Moi je vais mettre musique de 2005. De techno. Mais c'est la base, genre ça fait grave mariage. Ça fait joie. Arrête. Baby Palanga. I will show you. Arrête, ça fait bien, hein, Baby Palanga, wesh. C'est vrai qu'après ça va être trop mou l'entrée, genre. C'est ça, bah, c'est du coup, on prend pas. Bon, là, on a trouvé à peu près ce qu'on voulait, même si on voulait un peu plus clair. Mais c'est déjà ça. Hein. Un peu desserré, là. Relâchez les cuisses et faire le bas. Vas-y. Sinon, avec, elle est bien. Relâchez taille, cuisses et couilles. Ouais, elle a retrouvé le costume. Avec un grave chiant. Ouais, grave. Hey, il ressemblait grave à Zemmour. Bah oui. Tu vois, moi, je suis ta pas, tête là. Ça m'énerve. Bah, de ouf. Fatigué, mais c'est genre de gars, tu peux pas les embrouiller parce que tu sais qu'ils sont dans un délire. J'allais me casser. Toujours, je vais me casser. What you talk about? I man, I light you up. You will tell me on. Man, parce que tu es belle, tu es un bonhomme, hein, tu vas être contente, beaucoup d'enfants, Inch'Allah. Je ne sais pas comment mes dents sont fous.
Regardez, j'ai un DVD du jour de ma demande en fiançailles. Coucou les gars, si vous savez comment je suis dans une galère pas possible, genre là le mariage il me fait mal à la tête. J'ai écouté le discours de Macron, du coup là il y a un couvre-feu. Je sais pas du tout comment on va faire parce que nous à la base le mariage était censé se passer entre 19h et 2h du matin. Donc là vraiment c'est plus possible, genre je vais craquer, il n'y a pas de solution, toujours plus de problèmes qui se rajoutent avec le corona. Je me suis vraiment mariée à la pire période, vraiment. Tout à l'heure mon mari m'a appelé pour me dire qu'il avait parlé avec l'algo de la salle, mais elle-même elle sait pas comment faire, sachant que nous on a mis de l'argent dedans, on ne sait pas si on va revoir notre argent. Et là, je vais essayer d'appeler le traiteur aussi pour voir comment on s'organise, parce que ça aussi je sais pas. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Ma coiffeuse, pareil, du coup, elle est pas disponible parce qu'elle était dispo à partir de 15h30. Mais si je fais le mariage de la journée, comment je fais pour me coiffer? Yo, bon, toujours avec ma vieille tête. Là, aujourd'hui, je vais essayer ma robe pour samedi. Même si je sais... Ah, coucou. Coucou. Même si je sais toujours pas si le mariage, enfin la fête samedi, elle aura lieu. Donc c'est Vaialesso qui l'a faite. Je vous mettrai son Insta parce que c'est magnifique, trop bien fait. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc là, vous la voyez comme ça, mais portez, vous verrez comment c'est trop beau. Et justement, moi, j'ai le même motif, mais avec une robe. Donc là, je vais l'essayer. Par contre, moi, ma robe, c'est Stylo Paris qui va me la faire. Si vous voyez ma robe, je vous laisse la surprise. Parce qu'en plus, là, comme je suis pas maquillée, je suis pas coiffée. Un contraste, là vous voyez juste un petit peu le haut, mais même ça va être changé, donc vous êtes pas prêts. You're not ready, no. Yo, bon, je vais aux nouvelles et franchement il n'y a pas trop de news hein. Je sais toujours pas si on va faire la petite fête de samedi vu que la personne de la salle elle peut pas nous donner de nouvelles et tout, et elle peut pas se permettre de faire des trucs en clandestin là. Donc vraiment je pense qu'on va juste faire le mariage religieux, donc vendredi. D'ailleurs hier j'ai fait mon essai marié avec Nessa, parce que c'est Slay with Nessa qui va me maquiller, et j'aime beaucoup, genre c'est joli, ça me ressemble, et en même temps tu vois il y a cette petite touche de ça se voit que c'est pas moi qui me suis maquillée. Genre. Et voilà quoi. Donc voilà, là on s'approche petit à petit du jour J. C'est un truc de ouf. Genre je vais être mariée. Est-ce que vous vous rendez compte? Je vais me marier. D'ailleurs je fais grave la ouf à rester dans ma voiture alors qu'il est plus de 21h et on a un couvre-feu. Mais bon là je suis juste en face de chez moi. Donc du coup si on déplace la petite fête, je sais pas quand est-ce qu'on va la faire. Parce qu'en vrai plus le temps passe plus c'est pire. Donc je sais pas. Je sais pas. Je suis deg parce que j'ai déjà ma robe, tout ça. Mais bon décidément cette année c'est vraiment la pire année pour se marier genre. Hey, bon, aujourd'hui c'est un jour spécial vu que c'est mon enterrement de vie de jeune fille. Ça va être trop bien. Genre là, mes copines elles m'ont fait un truc et du coup, je me suis mise un peu mignonne, tout ça. J'ai mis une petite combi qui vient de chez Belté. J'ai mis mes talons dans mon sac parce que vous connaissez, mes talons c'est juste pour faire carré. Mais voilà, j'ai trop hâte. Je pense que ça va être trop bien. Et elles savent pas, mais j'ai préparé un gros sac de cadeaux. Du coup, j'avais rendez-vous à 21h. Il faut que j'y aille parce qu'il y a le couvre-feu. Donc c'est mieux, j'arrive pas après. Donc voilà. Le sac de produits. Franchement, elle va être gâtée là. Là, clairement, je suis dans la rue, mais je trouve pas l'adresse exacte. Et j'ai grave chaud parce que j'attends dehors. Et si la police m'attrape, qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce que je vais dire? Là, depuis tout à l'heure, j'attends ma pote Lorraine pour qu'elle vienne me chercher et que la fête commence, quoi. Mais je la vois pas. Ah, si, je crois qu'elle est là-bas. Ah non, c'est des gars. Voilà. Enfin, on m'a trouvé. Moi, j'attendais, j'avais grave peur qu'il y ait la police. Cheap on the Prada, send me feeling bad. I'll be looking like the nigga that you wish you had. Then my girls, then my coming, then my looking bad. Man, I'm rolling with my niggas, then we moving mad. So me light on the pump. Voici Yasmine Spirancila. Donc aujourd'hui, on a organisé l'enterrement de Chayna. On est 15. C'est interdit par la loi. Ça va, ça va, on a pas respecté. On a trouvé un lieu. Maintenant, Chayna va encore nous gâter. Voilà, je vais gâter. Ouais. Maintenant, j'ai pris quelque chose de très important. C'est... Il a assez foncé. Merci. 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 Concours de chant. Oh putain. Assieds-toi.
107, man like James Bond. Me wanna get that feeling, something that give me that healing. Me, I don't want to tire, so me, I light up the fire. Me wanna get that feeling, something that give me that healing. Me, I don't want to tire, so me, I light up the fire. Girl, them I want a bad man, put a ring on it. You're the only one me I really gotta think of. Trust me when I say, you're the only one I feel for. Why? Money me not flip on your hair. You got a thing that go crisp for a man. I got the money so they sing for me, girl. One for me, girl, she a... Donc là, les gars, je vous ai pas expliqué ce que je faisais. Là, en gros, on fait les courses pour le VAO. Donc pour ceux qui savent pas, le VAO, en gros, c'est quand la famille du marié, elle va offrir des cadeaux et tout aux mariés. Et du coup, on va faire une belle table parce qu'en soi, c'est filmé, tout ça. Parce que ma mère, elle va faire un thème argenté. Donc j'ai acheté des petits trucs histoire de, tu vois, alimenter un peu la décoration. Et là, je suis avec mes cousines qui me suivent dans le périple du mariage. Surtout toi, Isabelle, comment tu souffres avec moi. Hein. On souffre. Now you lose control, you got the fire can cool, let's get the groove on. Par hasard, tous les trucs qu'on veut, ils sont que en doré. Sûr que si notre thème c'était doré, là on aurait pu de la repérer. Bon, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour la déco et aussi des trucs que j'ai acheté bah, comme ça. Du coup, chez Jour de Fête, j'ai acheté ça, des ballons pour faire une arche. C'est trop bien ça parce que du coup, vous avez tout le lot et c'est dans les tons argentés, blancs, tout ça. Donc ça, c'est top. Après, vous avez le fil et vous pouvez faire l'arche bah, vous-même. Donc ça, c'est cool. Donc comme ça, genre, on va faire bah, une arche dans ce style-là. Après, j'ai pris des lettres comme ça, genre des ballons en lettres. Mister and Mrs. Ça, j'aimerais bien justement l'accrocher, genre, par exemple, là, si je fais le décor, bah, mettre la lettre, les lettres ici, comme ça. Ensuite, j'ai pris ça, du coup, c'est les rideaux à franges. Donc, j'ai pas pris en argenté parce que ça allait faire trop, too much. J'ai pris en blanc, justement, histoire que ça fasse un fond. Et là, ça se trouve, je vous dis ça, mais ça se trouve, ça va même pas rendre comme j'ai dans ma tête. Mais normalement, ça devrait aller. Après, j'ai pris ça, un cœur en polystyrène. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je pense que je vais écrire aussi Mr. and Mrs. Un truc du style. Mais pour pas que ça fasse faible, j'ai pris des fleurs comme ça, que je vais coller tout autour. Et justement, ça, ce serait bien de mettre ça ici. Eh, mais je pourrais être décoratrice, hein, vous blaguez avec moi. Bref. J'ai aussi pris des ballons comme ça parce que je voulais juste la couleur argentée. J'ai aussi pris des ballons blancs parce qu'on en a jamais assez. Et j'ai pris ça. À la base, ça c'est des trucs de déco de Noël, mais je me suis dit bon, ça peut rentrer dans le thème argenté. Ah oui, chez Jiffy aussi j'ai pris ça. Donc du coup, je mettrai ça dans les ballons. Je trouve que ça fait un peu la diff, genre ça habille les ballons, je trouve ça mimes. Là par contre, c'est un peu des trucs qui ont rien à voir, genre j'ai pris des faux ongles parce que justement le jour J, en fait, il me faut des faux ongles. J'en ai pris comme ça, des nudes, comme ça, un peu plus petits. Enfin, je verrai le jour J, en fait, ce qui va mieux m'aller vu que j'aurai mon aîné, etc. Mais dans tous les cas, je veux une couleur nude, genre. Ensuite, j'ai pris des petites boucles d'oreilles. J'y trouve trop belles, genre. Et le même style aussi, en argenté. Et aussi, j'ai vu qu'ils avaient fait des nouvelles créoles, genre trop belles. Genre, c'est pas les créoles simples que vous voyez tout le temps. Là, il y a grave du détail et tout, des petits strass comme ça. Et même dans les créoles dorées, vous avez des créoles comme ça, genre bien épaisses et tout. Je trouve ça grave joli. Et j'ai pris des bijoux comme ça, parce que ça, j'aime trop, genre. Tu sais, quand t'as un chignon, un truc comme ça, faut grave habiller tes oreilles pour, tu vois, ajouter un petit bail, quoi. Donc j'ai pris ça. Et un peu dans le même style, j'ai pris ça. Du coup, vous avez pas besoin d'être percé partout. Genre, en gros, vous avez juste un trou et ça suffit. Ensuite, j'ai pris des petites épingles parce que je les perds tout le temps. En plus, là, il y a une petite boîte dedans, donc ça, c'est cool. Et des lingettes, des chaussettes, parce que les chaussettes de Primark, c'est la base. Et voilà, voilà. Du coup, j'ai hâte de vous montrer la déco, ce que ça va donner. J'espère qu'on va d'être ça, hein, parce que bon, c'est la première fois que je me mets à faire un peu de déco. On va faire les essayages de ma robe à 22h. Regardez notre tête. Non, mais... Sentez la fatigue. Wanna test man for him. Bad man them really wanna test me man for get him. That feeling, something that give me that healing. Me, I don't want to tie. C'est impossible. On est d'accord que les petits ballons, c'est impossible de les gonfler. Mais c'est vos poumons en feu. Super.
Yarana Jemaziri Jalili Atarehiri Joanziha Uzadewe Mari Joanji Anedo Atukufu Waja Elharithi Anedi Hari Walia Ewa Sifa Wamatwa Uriha Oide Wahoya Tulilia Wana Shaina Abasi Waraha Uzadewe Ushido Na Jeza Siwana Laila Tilka Jiriri Jauta Kusawana Emkababu Elharithi Ea Ujisa Wana Shaina Mto Umalizano Là, je vais récupérer les bougies. Aïe! Aouh! Ça fait mal! Grave deg aujourd'hui. Hier j'ai regardé BFM et j'ai vu que on est peut-être reconfiné jeudi. Donc là vraiment j'ai plus de force. J'ai vraiment plus de force. Limite je me demande si je dois encore croire au mariage, si on peut encore le faire, parce que là en soi si on est confiné jeudi, on peut même pas faire notre union religieuse vendredi. En soi on peut la faire, peut-être genre si on dit à un imam de venir en cachette et tout, mais en fait c'est vraiment pas ce que je voulais. Genre j'ai l'impression qu'il y a rien qui va comme je veux. Donc je vous cache pas que je suis grave mal, genre je suis en mode mais pourquoi en fait? Après forcément je me marie pas au bon moment on va dire, mais là je vous jure que c'est trop pour moi. Déjà le fait d'avoir ma fête annulée le samedi, ça me fait mal de ouf parce que je me dis que tu vois ça c'était vraiment un truc qui nous tenait à cœur, genre parce qu'en soi le vendredi tout ça c'est un peu le truc des mamans, genre en gros le mariage religieux plus la petite fête en mode les mamans qui chantent des chansons traditionnelles etc. Mais samedi tu vois ça allait vraiment être genre moi, mes potes, mes cousines qui ont mon âge, lui, ses potes, ses cousines. Mais là je vous jure c'est off. Carrément hier j'ai chialé, genre j'étais en mode mais pourquoi. Mais vas-y, je sais pas, on y croit encore, on verra. Et mais bref, là c'est pas le sujet, le plus important c'est de voir ce que Macron il va dire, genre les annonces qu'il va dire, si vraiment le confinement c'est jeudi ou si c'est un autre jour. Donc on verra et voilà. Il s'agissait de maîtriser sa circulation en nous appuyant sur nos capacités pour tester, alerter, protéger. C'est donc le retour de l'attestation. Comme au printemps, les réunions privées en dehors du strict noyau familial seront donc exclues. Les rassemblements publics seront interdits et vous ne pourrez pas vous déplacer d'une région à l'autre à l'exception des retours de vacances de la Toussaint. Et donc, il y aura les commerces qui ont été définis au printemps comme non essentiels. Les bars et restaurants seront fermés. Oh là là. Elle sera même plus importante qu'en mars. Arrête. Non, oui. En fait, je me dis, c'est chaud de pas avoir de chance comme ça. Genre, je crois que j'ai le pire mariage que tu peux avoir. Bon, après, moi, c'était pas la mairie, tout ça. Mais même, ouais, jusqu'au bout, vous vous rendez compte? Genre là, on est confiné jeudi minuit. Et mon mariage est censé être vendredi. 9h du mat. Je sais pas comment je fais, du coup, parce que j'ai pas de coiffeuse, j'ai pas de maquilleuse, j'ai pas ma deuxième robe, j'ai pas de déco, j'ai pas de gâteau. Je fais quoi? Genre, on fait quoi? Et si on le fait vendredi, on peut se faire prendre par la police. Qu'est-ce que t'en penses, Yas? Les gars, on fait deux mariages. On fait le mariage demain, on va trouver une coiffeuse et une maquilleuse. S'il y a pas de gâteau, on va à la Romainville. Oui, mais en fait, il n'y a pas à faire un mariage ghetto, en fait. Bon, bah du coup, verdict. On se marie demain au lieu de vendredi. Donc là, c'est le rush total. Si vous voyez l'état de ma chambre, genre, je sais même pas comment ma chambre, demain, elle va être prête pour le mariage. Il n'y aurait rien qui va. Du coup, je peux pas faire ma déco comme prévu. Le gâteau, j'ai essayé de m'arranger. Là, j'ai pas de coiffeur pour mes cheveux, donc je sais même pas ce que je vais faire. J'ai trouvé une maquilleuse de dernière minute, mais du coup, j'ai même pas fait d'essai marié. C'est la catastrophe. Vraiment, je peux pas imaginer pire en fait comme situation. J'ai pas mon aîné, y a rien qui va du tout. Voilà, donc on verra bien demain ce qui va se passer.
mais voilà. Là du coup je vais faire mon henné en rapide. Si attends demain il va jamais sécher, enfin la couleur elle va pas se voir. Donc là il est quelle heure? Il doit être 22h. Je fais mon henné, demain je vais être KO. Mais bon, pas le choix hein. Parce que je me découpe de ma tête tellement que je passe mon temps à chialer. C'est n'importe quoi. Manger mes céréales comme si j'allais à l'école alors que frère je vais me marier. Donc, bref, moi pour l'instant ça va. Je suis juste deck parce que j'ai des potes qui peuvent pas venir vu que ça a été décalé à jeudi. Il y en a qui ont le Covid, enfin bref, c'est chaud de ouf. Mais bon, j'espère que ça va bien se passer et qu'elles seront là pour le reste, hein, pour tout ce qui est grande fête, mairie, etc. D'ailleurs, j'ai enlevé mes scotchs du aîné. Normalement, c'est censé foncer un peu plus tard. C'est trop beau. J'en ai fait aussi ici. D'ailleurs, désolée pour ma neige, mais bon, je pense que vous êtes habitués. Durant ce vlog, je crois que j'ai jamais été fraîche. Peut-être une ou deux fois. Et là, j'ai bien mis un bonnet en satin pour faire tenir mon lissage. Et voilà. Bon, direction le showroom pour récupérer mon cafetan. Ah, j'ai mal au ventre. C'est pas le moment d'avoir mal au ventre en plus. Toujours accompagnée de Isa. Eh, mais sachez que c'est elle qui a tout fait. Genre, depuis le début des préparatifs du mariage, elle est là avec moi. Ma cousine, c'est pour ceux qui savent pas. Je l'aime trop. Moi aussi, voilà. Je t'aime trop, trop, trop. C'est ma vie. Ma vie. Franchement, comment je suis sortie, c'est abusé. Heureusement qu'il y a les masques. Heureusement que j'ai une capuche. Parce que là, ça ne va pas du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Là, je vais m'acheter des chaussons vite fait parce que j'en ai plus. Et c'est relou de ne pas en avoir. Donc voilà. Oh,
Bon, je peux enfin souffler. C'est enfin la fin de ce vlog, même si on n'a pas eu la deuxième partie, du coup, ma petite fête de mariage. Mais bon, on remet ça plus tard, j'espère que ça pourra se faire. Et voilà quoi, putain, regardez mon nez, comment il est irrité. Donc voilà, j'espère quand même que le vlog il vous a plu, de voir un peu les backstage. De toute façon là, ça y est, je reviens. J'ai plus d'excuses pour parvenir. Donc en attendant, on se dit à la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss.